Il y a plusieurs centaines d'employés qui ont participé dans le travail de nettoyage qui a été réalisé sur la plage Géléa dans Okaï, un espace qui prend première place dans le secteur touriste là-bas Boïsite. L'activité ça a été faite en bas contrôle ministère de l'Environnement et de présidence là dans quatre caravanes de changement qui arrivent pas trop longtemps dans le département Sud là. Mobilisation et sensibilisation pour le travail ça a été touché toute boîte l'État dans le département. L'initiative ça prend dans l'idée pour bailler un exemple à la population. Et pour témoigner volonté ministère gagné pour qu'il y ait plage propre, d'après le ministre de l'Environnement, Pierre-Simon Georges. Une autorité, chaque, selon Titio et Gadio, là, dans ce plage Léa, pour être capable de prêcher par l'exemple. À savoir que nous avons besoin d'améliorer le visage de la plage. Et nous commençons aujourd'hui à faire la plage gelée. Il y a plus de monde qui a été fait pour répondre à l'appel président de la République. Là, aujourd'hui, ils sont tous réunis et sont en train de nous nettoyer la plage. Donc, je pense que c'est un très bon bagage. Je pense que ça veut dire que jeunesse, ça veut dire que mon caï, policiers, ont fait tout l'autre pour nous comprendre la nécessité et sont en train de nous travailler au niveau environnement, pour nous améliorer l'environnement. Et ils sont comme de bons soldats, ils ont le bon exemple. Sachet, bourrette, pelle, râteau, c'est ensemble d'outils participants qui ont été mis pour faire travail ça. Un travail qui était là dans tout, plusieurs universités et quelques citoyens dans la ville. Le ministre de l'Environnement souhaitait peut-être coller ça, servir un bel exemple cap continuer pendant le promettre une campagne d'éducation pour la population, si tout ça y a fréquenté la plage. Mais nous espérons que l'exemple ça l'a toujours qu'aimé, de telle sorte que nous allons faire éducation avec nous, les gens qui viennent baigner, visiteurs, etc. etc. On est capable toujours de gagner une plage. Plusieurs autorités locales ont participé dans le travail ça. Parmi eux, député circonscription Kayi Lavachla, Clovis Roba, qui a mis des mains dans ramasser Fatra. Député a estimé que le travail nettoyer ça à bail plage là, une autre figue devant jet touristique. Surtout dans l'occasion fête gelée qui pas loin arrivé. Clovis Roba a invité jeunesse là à participer dans un bel environnement propre et spécialement plage jour. Nous à un mois de fête gelée. Donc je dis nous gain en pile touristes qui doivent rentrer pour venir dépenser dans gelée. Et les touristes rentrer nous connaissons qui va les cobs qui brasser qui j'en malheureusement arriver à l'ensou pour période là. Et bien les touristes sont venus nous on image pour nous voir bayou. Pour eux même pour eux encourager pour eux venir encore dans l'autre occasion. Mais si on vient, c'est sous Fatra, on vient monter, et bien dans ce sens, on a découragé, on a dit, je n'ai pas espace vraiment côté pour les gens qui viennent détendre, côté pour venir pour plaisir. Et on a travaillé, on a ramassé Fatra pour montrer tout le monde qui est question Fatra, il n'y a pas aucun complexe là-dedans, il n'y a pas aucune humiliation, on a retiré Fatra devant la caille. On a encouragé toute jeunesse là, et on a encouragé toute l'autre autorité pour faire tant pour nous-mêmes, tant pour les députés Kovioba, tant pour l'autre directeur départemental, tant pour tout le monde qui ouais son nécessité aujourd'hui. Pour nous commencer par nous-mêmes, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quelques cas exécutifs étaient présents dans l'activité ça. Ils ont montré même détermination à l'autre autorité dans le moment de nettoyage la fête sur la plage. Ils ont dit qu'ils ont appuyé le travail ça pendant qu'ils félicitent le gouvernement. Dans quatre caravanes, on voit le président Jovenel, le ministre, ils ont gagné ou ils ont fait ça ou ils ont fait là. Intervenu côté qui gagné pour l'intervenir. Je dis à nous sur le littoral là, nous avons nettoyé, nous avons libéré le littoral là. Il y a des batailles que nous avons fait. Je dis à pour que nous baillons des battements, nous baillons notre pays. En Kazek là, c'est une complété l'autre. Je dis à son bataille gouvernementale, nous faisons partie du gouvernement, nous faisons partie de l'État. Nous avons agi même si l'État a agi. Toutefois, nous avons fait bon bagage, nous avons fait. Nous avons fait ça pas bon nous là pour nous dénoncer et puis nous pour nous corriger ensemble avec. Je dis à l'environnement, il faut nous garder là avec notre Dieu. Et là, nous devons nous garder là avec nos yeux, c'est dans tout compartiment. Pour nous garder comment nous sommes capables de refaire l'environnement du pays d'Haïti. Et longtemps, nous avons dit que c'est Pelle des Antilles. Je veux dire, pour nous, toujours été Pelle des Antilles, mais il faut nous tenir compte. Mais ce n'est pas un travail gouvernement seulement, mais c'est un travail citoyen. C'est tout le monde qui vous implique là-dedans. Dans le moment de travail, ramasser Fatra a fait avec un bon, que le matériel roulant est mobilisé tout un autre bon. Ça qui te permet de moins tenter de passer pour finir. Policiers avec uniforme. Employés divers ministères, t'es fait travail là sans y'a pas gêné. Femmes ou garçons, t'es mis tes mains. Activité t'es ensemble ça, a pour objectif sensibiliser population sur nécessité pour tout le monde travailler dans tête collée, selon le président pays Jovenel Moïse, qui porte plus précision sur le rôle caravane. Ça veut dire gestion peuple là, pour faire peuple là comprendre le projet.
pour faire le peuple comprendre, parce que long projet venu. Par exemple, caravane, non, son concept lié. C'est bon, on projette un coup pour tout venir faire. Mais le mouvement ça fait dans le pays, font le peuple là, il a approprié, il a pris. Mais pour le prendre, il faut un monde qui va l'accompagnement immédiatement. C'est ça, mais pour le peuple là comprendre aujourd'hui. Fonctionnaire, ça, c'est pour faire le travail pour le peuple là. Fonctionnaire, ça, 80 000 fonctionnaires que l'État a gagné. C'est pour vous connaître que vous êtes là pour travailler. Pour le peuple haïtien. Parce que c'est le peuple qui a payé, ça que l'argent taxe est pour le peuple. Chef l'État fait déclaration ça pendant l'État fait un viré dans Camperin pendant la même journée. Président trouvé dans Camperin, dans l'objectif pour mettre campé dans la localité Lévis, une centrale pépinière qui a une capacité pour produire 4,5 millions de plantes. D'après président Jovenel Moïse qui fait connaître, en pile côté dans le pays, a une centre pépinière. Mais le ministre de l'Environnement, la limite de la Kaili, Pigo Sant Prévinière, d'après ça, le dit. Ministre d'Environnement, j'aime soutenir, je connais Zénèque Borisite là. Avec dit, monsieur Lakaili, premier gros pépinière, la charité bien ordonnée commence par soi-même. N'a fait 10 dans le pays, monsieur Mendel Lakaili. Ça veut dire, premier gros pépinière, 4 500 000 plantules là. Ministre Mendel Lakaili. L'autre monde qui a regardé ma travers pays, il connaît que pépinière n'est pas venu tout. Parce que c'est 10 dans le pays, dans chaque département. Puis devant, le président souligne que la caravane n'a pas gagné un budget qui visait les produits pépinières. Sous l'argent qui a gagné la production pépinière, a sorti dans le fonds ministère. Parce que la caravane n'a pas un fonds, n'a pas un bon côté. La caravane, c'est à travers tout le ministère. Par exemple, aujourd'hui, là, nous avons campé, nous avons travaillé sur l'affaire pépinière. Ça veut dire que nous avons un ministère de l'environnement, nous avons un ministère de l'agriculture qui ont même mis tête ensemble, budget ministère de l'agriculture. En d'un budget ministère environnement, c'est en d'un budget ça que l'argent pépinière ou yé. C'est ça que pour tout le monde comprendre. Caravane n'a pas mon budget pour lui. Projet pour mettre une centrale pépinière dans la localité Lévis, dans Camperin, joigne bravo la contentement bon côté député Bertin Augustin qui dit lui accueillir avec deux bras caravane changement la Kaili pendant lui promettre président toute collaboration surtout dans ça qui gagne ah ouais avec voter budget. Cap permet caravane à l'épi devant. Que ça gagne, nous même Camperin, nous c'est une dans la commune qui est grand bénéficiaire. Il faut dire président à toute équipe que caravane nous accueille à deux bras. Et responsabilité pas moins étant député de la circonscription. C'est pour nous dire président, nous avons voté bon budget pour caravane avancer. Dans la 50e législature, là, sous votre yo ban mwen, sous votre management mwen, pour me camper en face ça qui bon. Même pas camper en face parce qu'on va faire ça qui bon. Date 15 juillet 2017 passé, c'était une journée remplie pour caravane dans le site pays. Pendant que caravane a nettoyé la plage gelée, le président Bokote Pal a visité diverses communes tant que Baradé, Cavaillon et Camperin. La présence de Camperin était visée surtout non seulement annoncer le projet central pépinière, mais tout. Profiter poser premier roche projet comme signe qui montrait travail construction centrale là pour démarrer. En plein monde pas mettre l'eau dans bouche pour féliciter président pour goger fort yo dit la fait à travers caravane là une façon pour porter soulagement pour peuple là. Yo bat bravo tout pour harmonie caravane là créer entre entité l'état yo cap travail ensemble. D'après calendrier travail li presque toute commune dans département a bénéficié intervention caravane là. Yo caravane qui rive dans site pays là. Depuis le 1er juillet passé.